Bonsoir et bienvenue dans 50 minutes Inside. Très heureux de vous retrouver avec mademoiselle Sandrine Quétier. Bonsoir à tous, bonsoir mon Nico. Ça y est ? Ça y est quoi ? Bah, j'ai votre cadeau. Un cadeau ? Ouais, pour Noël. Ah bah j'ai pas le vôtre encore. Ah bah il reste 5 jours Nico, il va falloir y aller. Non mais dernier moment. Dernier moment. Ah oui, bah d'accord. Allez, on démarre tout de suite avec Planète People. Qu'ont fait les stars cette semaine ? Toutes les réponses avec Mathieu Drouin. Qu'est-ce que vous voulez ? Parce qu'il faut la commander. Et on commence avec l'événement du jour, l'élection de la nouvelle Miss France. C'est ce soir, Sandrine, pour le traditionnel voyage de préparation. Entre séances de shooting et découverte de la Polynésie, 50 Minutes Inside a pu les suivre en exclusivité dans ce décor de rêve. Un séjour qui a permis aux jeunes femmes de révéler leur personnalité avant le grand soir. Et c'est un reportage signé Romain Clément. Elles sont pas mal. Elles sont belles. C'est la deuxième partie de 50 minutes Inside l'actu. C'est le moment, bien sûr, de People Police, Nicolas Vinclair et sa caméra subjective. Alors, on part où, Nico, ça ? Un royaume d'enfants, un showcase et du beau gosse. Ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Tout dans People Police ? Évidemment. Allez, c'est parti, Nicolas Vinclair. Tout ça. Et voici maintenant notre rendez-vous demain à la une avec cette semaine une tendance qui inonde les réseaux sociaux et notre quotidien, le celebrity marketing. Alors après la télévision, le cinéma et la presse magazine, les grandes marques dépensent aujourd'hui des fortunes pour apparaître le plus discret. Kim Kardashian, Justin Bieber, Jennifer Lopez, le footballeur Ross. Voici maintenant notre rubrique Une star, une histoire avec cette semaine. Première super production comique française de l'époque, un tandem de légende. Encore l'un des films les plus populaires, les plus drôles du cinéma français. Voici l'incroyable histoire du Corneau et les secrets de ce film de légende, Marion Gay. Premier week-end de vacances et c'est l'opportunité. Attention, quel est le réalisateur du film Le Corneau ? 1. Gérard Houry. 2. Bourvil. Vous connaissez la réponse pour tout de suite. Troisième partie de 50 minutes Inside l'actu et cette semaine, notre invitée est l'actrice Karine Viard. Du triomphe de la famille Bélier à la comédie chorale Le Grand Partage qui sort cette semaine et où elle incarne une bourgeoise contrainte d'accueillir chez elle des sans-abri, Karine Viard est incontestablement l'une des actrices les plus marquantes de l'année. Rendez-vous Sandrine à Paris dans l'un de ses repères préférés et c'est aussi l'apprentissage difficile du langage des signes pour Bresse. Et voilà pour 50 minutes Inside l'actu, mais restez avec nous. Et on se retrouve pour 50 minutes Inside le mag, avec pour commencer notre rendez-vous dans le secret des stars. C'est le Grand Palais, un monument impressionnant, inauguré pour l'exposition universelle de 1900. Du concert très privé et improvisé du chanteur Prince en 2009 aux défilés les plus extravagants de Karl Lagerfeld, en passant par les expositions les plus événementielles, le Grand Palais est devenu au fil des années le monument de tous les superlatifs. Et Adèle Haltz. Une capitale en pleine renaissance où a été tourné en partie le dernier James Bond. Mexico City, la nouvelle capitale branchée d'Amérique latine, c'est dans la seconde partie de 50 minutes Inside le mag. À tout de suite. C'est la seconde partie de 50 minutes Inside le mag et voici maintenant notre document Inside. Mexico City, la nouvelle capitale branchée d'Amérique latine. Alors, il n'y a pas si longtemps encore, Nikos, Mexico rimait avec drogue, cartel, violence, pollution. Mais depuis quelques années, la capitale mexicaine a bien changé. Tout Hollywood aujourd'hui s'intéresse à Mexico, c'est parce que la ville bouillonne. Rien n'arrête la ferveur de la ville de Mexico City. Et bien voilà, 50 minutes Inside le mag, c'est terminé. On vous souhaite de joyeuses fêtes et merci d'être toujours aussi fidèles. La semaine prochaine, ce sera la rétro 2015 avec tous les événements et les personnalités qui ont marqué l'année. Et n'oubliez pas ce soir, Miss France sur TF1 avec le président du jury, Jean-Paul Gaultier. Et puis Jean-Pierre Foucault en direct de Lille. Ça fait bien, passez une bonne fête de Noël. Bisous. Bye bye.